La question n'est même plus d'avoir une stratégie digitale, mais d'avoir une stratégie dans un monde digital. Effectivement, plus de 80% des dirigeants sont convaincus de cette importance aujourd'hui. Effectivement, on peut constater que les entreprises les plus dynamiques au niveau digital sont les entreprises les plus rentables et les plus innovantes aussi. En fait, les questions essentielles à se poser, ce sont quelles sont les opportunités digitales, quels sont les défis dans le monde digital, mais aussi, moi, en tant que pure player digital, comment j'agirai, et aussi, quels sont les effets disruptifs, finalement, dans le monde digital pour mon entreprise. Aussi paradoxal que cela puisse être, hein, c'est pas parce qu'on est dans une société ou dans une entreprise avec des informaticiens que le digital et le social media sont innés. Effectivement, s'adapter à une stratégie digitale n'est pas seulement une transformation en tant que soi, mais c'est aussi adapter sa culture, faire du change management. Il faut que la stratégie digitale soit vécue. Il y a bien sûr des défis qui sont engendrés avec ce changement, et ces défis ne sont pas que commerciaux ou techniques. C'est aussi aujourd'hui culturel.